Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais gentiment t'expliquer pourquoi la PS5 Pro va tuer ta PS4 et clairement tu ne pourras rien faire pour arrêter le massacre. Alors prends un verre d'eau et quelques cookies, on est parti pour l'analyse du mois. En 2023, il est clair que l'ère de la PlayStation 5 est bien amorcée, avec des millions de joueurs ayant déjà franchi le pas et adopté la nouvelle console. Cependant, nombreux sont ceux qui sont encore attachés à leur fidèle PS4. Et pour cause, environ 60% de mes amis sont encore sur la PS4. Certains, ce sont pour des raisons financières, d'autres parce qu'ils n'ont pas pu acheter la console au moment de la hype, et que maintenant, vu qu'ils voient que la majorité des jeux sortent sur les deux consoles, il n'est pas encore intéressant de faire la transition. Mais avec la sortie d'une PS5 Pro dans un avenir proche, selon la stratégie de Sony que l'on a observée par le passé, la fin de la PS4 pourrait être plus proche que tu ne le penses. Pour mieux comprendre la situation actuelle, jetons un coup d'œil aux chiffres et aux dates clés de la transition entre la PS3 et la PS4. La PS3 est sortie en novembre 2006 et s'est vendue à plus de 87 millions d'unités dans le monde. La PS4, quant à elle, est sortie en novembre 2013 et a dépassé les ventes de la PS3 avec plus de 120 millions d'unités vendues. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la suite avec la PS4 Pro qui est sortie en novembre 2016, soit 3 ans après la sortie de la PS4, et devine quoi, la PS5 est sortie en novembre 2020. Et ce novembre 2023, on arrive donc sur le timing des 3 ans. Coïncidence ? Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est la minute leak et rumeur. Par exemple, sur Twitter, on a pu récupérer cette image du compte de TCL qui leak en mai 2022 une slide de leur presse avec à l'intérieur écrit en gros PS5 Pro. Sony a aussi déposé un nouveau brevet pour améliorer le ray tracing de la PS5 et le seul moyen de le faire, c'est via une nouvelle console. D'après le site Biboom, PS5 Pro serait vendu au prix de 599€. Quelques malins ont pu trouver dans le code du site PlayStation une page sur la PS5 Slim qui serait finalement devenue la Pro aujourd'hui et qui serait à la quête de plus de performances. C'était la minute leaks et rumeurs, merci à tous. Pour revenir à nos moutons, on n'a pas de visibilité sur le nombre de PS4 Pro vendus, mais on peut clairement supposer qu'il est minime comparé aux 120 millions de PS4 vendus au total. Cependant, la PS4 Pro apportait quand même son lot d'améliorations et elle était dédiée aux joueurs plus exigeants qui en voulaient encore plus. Alors Sony a fait simplement ce que les joueurs demandaient, en offrir plus. Par exemple, sur la PS4 classique, le GPU montait jusqu'à 1.84 teraflops de puissance de calcul, alors que sur la Pro, il montait à 4.20 teraflops de calcul, qui offrait une meilleure qualité graphique et une résolution plus élevée. Autre exemple, la PS4 classique ne supporte que la Full HD 1080p, alors que la PS4 Pro supporte la 4K. Côté stockage, la PS4 classique s'arrête à 1 teraoctet, là où la PS4 Pro commence à 1 teraoctet et monte jusqu'à 2 teraoctets. Il est quand même important de noter que tous les jeux de la PS4 sont compatibles avec la PS4 Pro. Mais certains jeux tirent parti des améliorations offertes par la PS4 Pro pour offrir une meilleure qualité graphique et une meilleure performance. C'est là où je vous disais justement que la PS4 Pro était dédiée aux joueurs plus exigeants. Mais du coup, si on revient à la PS5, que se passe-t-il lorsqu'une console plus puissante que la précédente sort? L'offre de consoles d'occasion augmente sur les sites tels que Le Bon Coin et fait mécaniquement baisser les prix. Là où on a connu une pénurie, une augmentation des prix de la PS5 par Sony qui en a rajouté 50€, et des bonnes affaires inexistantes en occasion, voire des prix beaucoup plus chers que le prix en neuf vu qu'on n'arrivait pas à en trouver, tout changera radicalement à la sortie de la PS5 Pro. Les joueurs exigeants et passionnés voudront forcément vendre leur PS5 et parfois rapidement pour pouvoir acheter la nouvelle console. Surtout que la PS5 continuera à se vendre à un prix en occasion très intéressant. Faudra, selon Biboom, du coup, rajouter que 150 voire 200€ maximum pour s'acheter la nouvelle. C'est là que le début de la fin va commencer pour la PS4. Une fois que les prix de la PS5 en occasion vont baisser, les promotions sur les sites tels qu'Amazon ou Boulanger vont aussi commencer avec des packs alléchants et beaucoup d'entre vous se laisseront séduire. Sur mon application Tech par exemple, on a déjà eu la PS5 en réduction et d'ailleurs je vous mets le lien de l'appli en bio, c'est dispo iOS et Android. Je disais plus haut que plusieurs d'entre vous se laisseront séduire aussi pour une raison qui est plus psychologique, car une nouvelle console qui sera vendue sûrement dans les 600 à 700€ va faire son apparition et tout de suite les 450€ de la PS5 classique deviendront plus attractifs pour vous. Encore une fois, la mort de la PS4 ne sera pas rapide mais très lente avec environ 2 ans à compter de la sortie de la PS5 Pro. Mais le prix ne sera pas le seul facteur qui va vous faire craquer, c'est aussi le changement progressif du soutien des développeurs de jeux et des éditeurs qui vont
mécaniquement se tourner vers la nouvelle génération de consoles, et c'est ce qui s'est passé par le passé, et c'est ce qui objectivement devrait se repasser cette fois encore. Car clairement, ils n'ont pas choix. Et si vous pensez que c'est un cas isolé, je vais vous prendre le cas de Rockstar Games, qui est l'un des studios de développement les plus connus au monde. Et lorsque GTA V est sorti en septembre 2013, il était initialement disponible uniquement sur PS3 et Xbox 360. Cependant, en novembre 2014, une nouvelle version améliorée a été publiée pour la PS4 et la Xbox One, avec des graphismes et des fonctionnalités améliorées. Par la suite, Rockstar a cessé de mettre à jour la version PS3 du jeu en 2015 et a concentré ses efforts sur les versions de la nouvelle génération en arrêtant carrément les mises à jour en ligne de GTA. D'ailleurs, GTA 6, qui est clairement le jeu le plus attendu au monde actuellement, sortira peut-être en même temps que la PS5 Pro et du coup, on aurait le même scénario avec l'arrêt du online 2 ans après sur la PS4. Ce qui, d'après ce que nous avons vu ensemble, semblerait plutôt logique. Ce qui nous donne en gros une fenêtre de 2 ans, comme je l'ai dit plus haut, avant que les supports en ligne ne cessent de fonctionner sur la majorité des jeux, car ça coûte très cher de maintenir les serveurs sur trop de consoles en même temps. Par exemple, en janvier 2019, Sony a complètement cessé de proposer des jeux gratuits sur la PS3 dans le cadre de l'abonnement PlayStation Plus, marquant ainsi un déclin significatif dans le support de la console. Imagine, t'as ta console, tu payes ton PSN Plus, et du jour au lendemain, Sony te dit « Les autres vont avoir des jeux gratuits, et toi, t'auras plus rien. » Alors, pas de panique, la majorité des studios vont proposer des réductions de prix, mais il sera déjà trop tard. La PS4 sera sur le banc de touche, et clairement, personne ne veut d'un joueur sur le banc de touche. Mais l'abandon progressif des serveurs et du support de la PS4 n'est que la partie visible de l'iceberg. Les développeurs de jeux vidéo vont se concentrer de plus en plus sur la PS5 et la PS5 Pro, surtout pour tirer parti de leurs capacités graphiques et techniques, et ce sera d'ailleurs un argument de vente, et ça signifie que les nouveaux jeux ne sortiront carrément plus sur la PS4, car compliqués à suivre techniquement, ou alors avec des versions trop éloignées les unes des autres, ce qui fera clairement chier les possesseurs de PS4. Il y a un dernier point que je n'ai pas abordé, et qui est tout simplement la nette amélioration des performances qu'offre déjà la PS5, comme des temps de chargement réduits, des graphismes améliorés, et une compatibilité avec le PlayStation VR de nouvelle génération. PS5 Pro, quant à elle, pour apporter des améliorations supplémentaires en termes de performance et de résolution, rendant les consoles de la génération précédente encore moins attrayantes pour les joueurs. Voici quelques idées d'amélioration plus que probables pour la PS5 Pro. Forcément, on aura des performances graphiques améliorées, avec l'arrivée sûrement de la 8K et un taux de rafraîchissement plus rapide qui pourra dépasser les 120 Hz. Un ray tracing amélioré, une compatibilité améliorée pour le PSVR 2, un design plus fin et plus pratique car c'est vrai que la PS5 est quand même assez balèze, une intégration plus poussée du jeu en streaming avec un lancement instantané et une réduction des lags, et potentiellement une nouvelle manette encore plus immersive avec des vibrations améliorées, des gâchettes adaptatives plus solides. Du coup, si t'as une PS4, profite encore de ces dernières années et de ces derniers instants, mais l'histoire a prouvé qu'il est inévitable d'avoir un déclin d'une console un jour ou l'autre. C'est simplement que la PS4 est là depuis 10 ans et que clairement on s'est habitué à cette machine. La PS5 Pro signera sûrement sa fin, mais maintenant tu sais pourquoi. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. À une prochaine vidéo, portez-vous bien, peace tout le monde.